Pas hésiter à faire ça couler à même. Like vidéo, abonne à la chaîne là. Et en plus de ça, activez la cloche notification. Il y a une façon pour ne pas rater. Puis il y a une nouvelle vidéo qui n'a pas la gueule. Eh bien, let's go! Est-ce que tu connais un outil ou prend chance de monter une machine passer là-dedans ou gain pile chance pour tout rester côté ça? Moi souhaite au chercher t-shirt baou et puis kembe soufou parce que route ça on pas le faire saisir en pile. Ça nous pas perdre du temps, on a découvert 10 routes qui plus dangereuses dans mode là. Bonjour bonsoir famille ça on pas te connaît hein. M'a souhaite une autre fois encore bienvenue dans nouvelle vidéo ça. Côté nous pas découvrir ensemble 10 routes qui plus dangereuses dans mode là. Avant de commencer, si vous pouvez abonner à la chaîne là, m'a invité à faire ça cool là même, une façon pas rater l'autre belle vidéo que m'a poté pour vous. Like vidéo pour encourager nous poter plus vidéo comme ça pour vous. Et puis partagez-le pour capoter le bail plus monde. Déjà, je dis merci pour ce support ça. Eh bien, on a découvert avec Koulia 10 routes qui sont plus dangereuses dans le monde là. Numéro 1, la route de Zoji La Passe. Même si dans la route ça, on est capable de remarquer qu'il y a un bel paysage, mais on doit faire un pile attention. La route ça est située entre l'Inde et Cachemire, donc c'est une route qui est très dangereuse parce qu'elle est trouvée dans une montagne et il y a un pile coup pour faire dans la montagne ça. Ou capable de contempler bel paysage li yo pendant ou la dan, mais ou doit faire un pile attention ak machine kap vini en face ou yo. Nous devons noter pour que route sa traverse un passage qui situe à 3500 km d'altitude. Route sa impraticable en hiver à cause des neiges qui kon gen dans zone ça. Cependant, étape travail sur un projet pour yo ta capable de mettre un tunnel sous tout route là, yon façon pour aider moins moun mouri la dan et puis pour permettre machine kap passer la dan pendant saison hiver yo tout. Donc, n'est pas de chance à taille, si par hasard ou t'as trouvé ou dans la route ça, ou devez faire un pile attention. Malgré ajouter un pile miraille dans la route ça, mais la majorité route la trouvé dans la flamme mentale. Donc, c'est ça qui fait le une route qui est plus dangereuse dans le monde. Numéro 2, la route de montagne Tianmen, la Chine. Route ça porte dans tout la route vers le ciel, et les gens ont vu époustouflante des ensembles de montagnes qui aux alentours, montagnes qu'ils trouvaient là. Mais, yon avant ti chauffeur kap fè route sa, pou yon pas distrait nan gade bel paysage, bel piebra ki gen nan zone sa, parce que ça ka arrive que yon oublie que c'est 99 virages que yon doit faire nan route la. Donc, ça veut dire que route sa gen 99 virages que yon doit faire là-dedans. Route sa ki considère comme pi bel route ki gen nan mode la, eh bien, li considère tout comme route ki plus dangereuse tout ki gen nan mode la. Ça ou de konne en plus de route sa, c'est que chaque vie est oufè et puis, devant la gen l'autre vie capte nous et qui pi dangereuse toujours. Donc ça veut dire que yon seule ouè ou fè nan yon nan virage c'est la mort assurée. Route sa trouvé le tout à 1200 km d'altitude qui vient faire encore plus considéré comme route qui plus dangereuse dans le monde là. Si yon route qui pas trop grand, donc ou devez faire un pile attention avec machine qui vient en face ou yo, même si pas gen go machine tan kou truck qui fait li. Malgré ça, là ouais, une machine a venir en face ou à pas approcher, donc ou doit ralentir par prudence. Numéro 3, la route de Yungas, Bolivie. Route de Yungas a trouvé dans le pays Bolivie. Donc si route ça paraît une dans route qui plus impressionnant, c'est parce qu'elle est trouvée dans flanc en montagne. Ça doit connaître de route ça, c'est que l'ici on dans route qui plus dangereuse dans mode là. Trafic dans le pays Bolivie fait sous mes doigts, donc ça veut dire que volant machine dans le pays ça a trouvé yo dans bord droite là. Contrairement à nous-mêmes qui n'avons pas gauche là. Conditions difficiles pour conduire dans la route ça qui trouve dans plusieurs falaises qui ont en pile fait le poté non la route de la mort. Majorité partie dans la route là, il y a assez espace pour circulation fait dans tout des sens. Donc vous pouvez imaginer comment un monde casse sous les nerfs qu'elle a sauté pour faire un petit campé dans la falaise ou ça avec une machine. Ça veut dire que si vous mal viré, qu'on essaie tomber en bas directement à environ 3600 mètres. Mettez sous ça, chauffeur qui a fait route ça doit faire un pile attention à gorge qui sorti dans route là, dans presque chaque virage qui gagne. Si t'as gagné un gros lapé ou bien bouillard, bagay ça va faire route ça vient plus dangereuse toujours. Numéro 4, la route qui l'a pangui en Inde. Route ça réservé seulement pour moun qui pas peur prend gros risque qui ka coûter la vie yo, à chauffeur qui gagne nerf d'acier yo. Route qui l'a pangui a trouvé dans une montagne qui fait presque à roche. Eh bien, l'issue route qui est plus dangereuse qui gagne dans le pays Inde. Les gens disent qui est évalué à 114 km, côté que route ça a été construit par habitants qui vivent dans la zone, ça fait plus que 100 ans. Eh bien, ils ont construit route ça, c'est une façon de permettre connexion faite avec la vallée Pengia. Route ça est praticable seulement en été, parce qu'en hiver, neige gagne est impraticable. Et dans le moment où neige dans la zone, ça a tout, les gens toute activité dans la vallée Pengia isolée. Donc ça veut dire que
tout le monde rentre dans la zone et ça compte prend plusieurs mois. Si un route qui est en très mauvais état, en plus de ça, il fait l'âge seulement une machine, donc ça veut dire que pas de deux machines qui sont contrées dans la route là. Si vous faites un erreur dans la route ça, eh bien, vous allez tomber dans une falaise qui trouve à environ 750 mètres. Route ça, il n'y a pas de garde-corps, mettez sous ça, il y a un lab qui glisse en pile là pour tomber. Et puis, j'aime bien tout ça déjà, il trouve une montagne qui fait à quoi seulement. Côté que, il y a une grosse falaise. Donc, tout bagage ça vous fait, il y a une route qui fait que vous pile problème, les à pratiquer. À chaque virage vous faites là-dedans, vous allez rencontrer un pile gauche qui souvent bail un pile problème. Période hiver dans route ça a toujours danger en pile parce que à cause de yon neige qui a tombé avec une fine couche, donc ça vient rendre atterri à glisser en pile. Numéro 5, le tunnel de Gyoliang. Tunnel Gyoliang là reconnaît comme yon nan route qui plus dangereuse dans mode là. Ou ap comprendre comment route ça dangereuse pendant ou ap gade photo ça. Li impossible pour machine ta rencontrer dans route ça et c'est pas que tunnel yo qui fait vraiment très célèbre. Tunnel dans route ça enchaîné yon après l'autre. Mais malgré ça, yo kite quelques trous qui ka permettre ouè soleil là. Ça de connaît c'est que yo toujours comparé route ça à Kutungas là qui trouvé en Bolivie. Donc raison qui fait faire comparaison ça, c'est pour ka rappeler comment route ça dangereuse. Mais question ta ka poser, pour qui ça yo construit yon route qui dangereuse comme ça? Raison c'est parce que gen un village côté route ça allé. Eh bien, village ça relé Gyoliang. Donc avant même route ça été construit, moi yo te kon utilisé pour accéder à village, c'était escalier ça yo. Mais habitants ont trouvé escalier au gat en pile pour monter parce qu'ils trouvaient l'en flan en montagne. Bagay ça t'a vienne faire habitants désespérés et ont décidé construire route ça. Donc ça t'a vienne pas problème non, c'est le fait que habitants pas vraiment connaît norme sécurité en Chine. Eh bien, ça qui t'a préoccupé c'était créer un autre moyen qui plus facile pour te permettre aller dans village là. Numéro 6, la route de Los Caracoles. Route de Los Caracoles la relie Santiago à Argentine. Si yon route qui passe par un passage qui trouve à plus que 3200 mètres d'altitude. Moi, je dois noter pour que vous faites 29 virages qui vraiment impressionnant et puis qui dangereux aussi. Donc, c'est une route qui conseille pour pratiquer seulement en été. Parce que, à cause de neige qui a gagné en hiver, yo, donc ça qu'on rend route ça, li impraticable. Donc, là où vous êtes en haut, vous êtes capable de traverser frontière, qui c'est un tunnel qui fait plus que 3 km de longueur. Yon le bagay qui pral faire saisir encore, c'est parce que route sa a gagné un pente qui red en pile qui fait c'est yon nan route qui plus difficile dans mode là. Numéro 7, la route 2915, Turquie. Si yon jour ta allé dans pays la Turquie, n'ap conseille pas faire route sa a qui rele 2915 an, si tout si ou gen vertige. Route sa c'est une autoroute que soldat turc yon te construit. Donc, si ou pas koren nan ki niveau route sa a dangereuse, gade photo sa ou kap ba ou yon idée de gosse malè qui penje nan route sa. Même je akout Los Caracoles là, li gen 29 virages, donc ou pa gen pièce intérieure pour ta faire erreur dans route ça parce que pa gen rien kap kembe ou si ou ta tombé. Mais c'est pas seulement ça qui fait route de 915 ans connu comme ça. Ça ou de connait en plus c'est que route ça gen une pente qui raide en pile. Si en moyenne l'autre route yo gen seulement 6.3% pente qui est censé pour yo, eh bien route de 915 ans gen un passage qui vraiment difficile pour arriver monter mon ça. Moi de noter pour que route la petit en pile. Donc tout bagay ça pas inspirer confiance pour moun k'ap pratiquer li. En plus de ça, condition météorologique dans zone ça pas bon du tout. C'est ça qui fait les va faire route ça ou doit doubler vigilance pour qu'arrêter en vie. Ou imaginez aussi ou ta de passer dans route ça chaque jour pour aller travail, qui ça ou ta fait? Numéro 8, la route SC390. Route SC390 là, c'est une route qui à la fois impressionnante et dangereuse aussi. Route ça a trouvé dans le sud pays Brésil qui situé sur une chaîne de montagne. Eh bien, route ça a trouvé le tout sur une altitude de 1460 mètres. Bien que paysage en route ça belle en pile pour moun garder, mais l'important pour être concentré, il y a une façon pour glisser descendre à cause d'un seul tir. Si vraiment ou t'as envie de connaître route ça, ou t'as dû aller en été parce que ça ou de connaître en plus des pays Brésil, c'est que été c'est 2 décembre jusqu'à mois de mars. En hiver, route ça ka praticable tout, mais ou risque de joindre un pile bouya. Mettez sous ça, ou doit faire un pile prudence parce que j'aime te dire ça déjà, yon se tire ka mené juste en bas, à cause que route ça pas vraiment sécurisé. Numéro 9, la route de Karakorum. Route ça qui trouve à plus que 4000 mètres d'altitude, c'est yon nan plus grande route qui gagne dans le monde là. Route ça a été créé par l'armée pakistanaise là, qui relie le Turkestan chinois. Donc ça vous devez connaître de route ça, c'est que c'est une route qui est plus dangereuse dans le monde là.
c'est yon route que soldats pakistanais ont construit dans Tai Wash. Donc ça veut dire que route ça c'est dans mitan wash qu'elle trouve. Donc si vous t'a trouvé dans route ça, ou doit connaître que ou pas qu'à faire demi-tour. Donc c'est un seul aller à qui un seul retourner les gars. Le fait qu'elle trouve elle dans flan montagne, donc ça veut dire que pas gain risque pour ta gain vertige. Mais si vous voyez en l'air, c'est sûr que ou ka gain petit problème. Numéro 10, la route de Stelvio, Italie. Ça qui plus impressionnant dans route ça, c'est nombre de virages qu'elle fait qui viennent yon après l'autre. Mais dans ça, porte vraiment raide pour une machine montée. Même j'ai avec majorité l'autre route, ou capable profiter de une belle vue panoramique de route ça. Mais attention, j'en regarde là ou doit faire un peu de prudence parce que si vous tombez, c'est en bas ou pour le camper. Moi de noter pour que col routier ça, c'est col routier qui plus haut dans col routier des Alpes. Il trouve à 2758 mètres d'altitude, mais dans toute Alpio, il est deuxième. Donc, premier col routier, c'est col de l'Isérin qui trouve à 2764 mètres d'altitude. Ou pas t'as de vertige pour monter col routier ça. Donc, j'aime te dire ça déjà, ou capable profiter d'une belle vue panoramique de col ça. J'en regarde là. Ou t'aimes la vidéo ça? Eh bien, pas oublier like li, et puis, pèsez le bouton abonné pour pas rater l'autre belle vidéo que m'a plagué pour vous. Il est temps pour me dire à tout de suite dans une nouvelle vidéo.